Le projet USAID Nutrition Hygiène est un projet financé par l'USAID. Il est exécuté par un consortium composé de IRC, FHI 360 et IACTU, sous le leadership de CARE International au Mali. Le projet a pour but de soutenir des interventions dans les domaines de la nutrition, l'eau, hygiène assainissement et de l'agriculture sensible à la nutrition. Il vise particulièrement d'améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants. Le projet intervient dans 73 communes et 712 villages dans les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro, repartis entre les districts sanitaires de Koro, Pajangara, Bankas, Djéné, Mopti, Ténénkou, Yuwaru, Nyono et Nara. Pour appuyer la mise en œuvre de l'initiative des États-Unis d'Amérique contre la faim et pour la sécurité alimentaire dans le monde et l'initiative globale pour la santé au Mali, l'USAID a financé le programme rural intégré d'amélioration de la nutrition et de l'hygiène au Mali. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de nutrition du Mali. Le but de cette initiative est d'améliorer l'état nutritionnel des femmes en âge de procréer et des enfants en mettant l'accent sur la prévention et les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant de la conception à 24 mois. À travers trois types d'interventions intégrées. C'est-à-dire la première intervention, c'est augmenter l'accès et la consommation d'aliments diversifiés et de qualité. La deuxième intervention, c'est améliorer les comportements liés à la nutrition et à l'hygiène. Et la troisième intervention, promouvoir l'utilisation accrue des services de nutrition, d'eau, d'hygiène, assainissement à grand impact par tous les bénéficiaires du projet. D'après le directeur de CARE International Mali, le projet USAID Nutrition Hygiène s'inscrit dans la droite lignée de leur objectif. Le projet USAID Nutrition et Hygiène est véritablement au cœur de notre programmation. Avec nos partenaires du consortium, donc nous apportons des appuis aux femmes et aux hommes afin qu'ils acquièrent, adoptent et appliquent des techniques durables de production et produisent des technologies de conservation de leur production, de traitement et de commercialisation afin d'augmenter de façon sensible leur productivité, leurs revenus et le statut nutritionnel de leur ménage. Le projet USAID Nutrition, dans ses interventions, a adopté une approche intégrée pour la lutte contre la malnutrition. D'après M. Saada Traoré, chef du projet, cette approche requiert la prise en compte de dimensions multisectorielles. L'approche intégrée que le projet USAID Nutrition Hygiène a adoptée est basée sur trois piliers avec des chaînes de transmission. Le premier pilier, c'est l'agriculture. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Le troisième pilier, c'est l'eau, l'hygiène, assainissement. Ces trois piliers fonctionnent à travers trois chaînes de transmission. La première chaîne, c'est en fait les groupements d'épargne de crédit au niveau de ces femmes. La deuxième chaîne de transmission, c'est la boîte à outils intégrée agriculture, nutrition, WASH, avec des activités de petites actions faisables mais importantes. Et la troisième chaîne de transmission, c'est la radio communautaire. Nous avons signé des contrats de partenariat avec ces radios pour faire passer des messages de sensibilisation. En ce moment, le projet s'est appuyé sur les champions au niveau de ces communautés. Selon le chef de division promotion, le projet a développé des partenariats stratégiques avec les services techniques pour renforcer la capacité des producteurs. Les bénéficiaires se réjouissent de la formation reçue dans le cadre de la mise en œuvre du projet USAID Nutrition Hygiène. L'objectif même de la collaboration, c'était d'améliorer la productivité agricole et les revenus monétaires des producteurs dans ces différentes localités. Les activités ont porté sur les cultures sèches, à savoir les mil, les sorgho, les niébé, l'arachide et les cultures maraîchères. Les bénéficiaires se réjouissent de la formation reçue dans le cadre de la mise en œuvre du projet USAID Nutrition Hygiène. Vraiment, avant demain, Sorobala, Abanga Bara Fana Noga Ambulu. USAID ka dɛmɛ an ye kalan dɔ sɔrɔ sufurula ye bon o kalan kɛlen kɔfɛ u nana ni siw ye a siw dira an ma an fana ye a baara kalan kɛra an kun cogo min baara kɛra o kɛcogo la. Le docteur Kwame Togbe invite au partage des connaissances acquises grâce à la formation. Ce qu'on peut leur dire aussi, c'est qu'on les encourage à aller partager
cette nouvelle au monde. Ils sont des privilégiés, ils vont recevoir des connaissances, il faut partager avec les autres pour que tout le monde ensemble on puisse avoir une grande production, on puisse bien manger et bien se porter. Madame Oumou Cissé, la présidente des femmes du village de Périmpé, nous parle des bienfaits de la formation. Après la visite des activités du projet USAID Nutrition Hygiène, M. Amadou Djani de l'USAID nous livre ses impressions. La visite sur le terrain m'a permis de constater une adhésion à l'approche intégrée agriculture, nutrition, hygiène, particulièrement l'adhésion des femmes. Cette adhésion s'explique par une amélioration de la résilience des bénéficiaires à travers une diversification de l'alimentation, une amélioration de la santé des enfants et une augmentation du revenu des femmes. Concernant le pilier nutrition, l'objectif est de promouvoir la consommation des produits de qualité et de haute valeur nutritionnelle pour améliorer la santé des mères et des enfants et leur suivi. Ceci sur la base des produits locaux faits au niveau des CESCOM par l'appui du projet, au village par les groupements des femmes AVEC et les ménages pour les repliques dans les familles. D'après les constats, ces activités sont une réussite dans l'amélioration de l'état nutritionnel des enfants du village. Cette collaboration au niveau de la région s'étend sur pratiquement trois volets. Donc, le premier volet, c'est par rapport à la prévention de la malnutrition. Ils font également le dépistage de la malnutrition. Il y a également le suivi des activités. Donc, après ce suivi, il y a eu également des activités de mise en place des GESAN. Il y a eu également la dotation de ces GESAN en matériel. Le projet en partenariat avec les services techniques de la santé a fait la promotion du dépistage des enfants malnutris, la promotion de l'allaitement maternel exclusif, les démonstrations nutritionnelles pour prévenir la malnutrition des enfants. Dans un premier temps, nous avons commencé par la formation de tous les agents des DTC et des ressorts de maternité des différents CESCOM sur la surveillance préventive des enfants. Après la formation, il y a eu l'approvisionnement, la dotation de 11 CESCOM en carnet garçons et filles. Pour impliquer les mères dans la lutte contre la malnutrition des enfants, le projet a fait la promotion de la surveillance préventive de l'enfant en distribuant des carnets de santé. Américain a projet de nana ni carnet ni dama kanga de on balo chuku la jala. Ugo ko anga moni tobi gadi dimisenu ma. Abidofara de nga kene ya kanga. Abidofara agaf kwa kanga tafe. Le chef de la cellule de coordination de la nutrition donne ses impressions sur l'approche du projet. Cette stratégie intègre à la fois l'agriculture, le WASH et la nutrition qui sont les premiers éléments de la prévention pour éviter à nos enfants et à nos femmes de tomber dans la malnutrition. Pour atteindre les objectifs du projet, Kermali et ses partenaires ont fait de l'assainissement total piloté par la communauté qui constitue la porte d'entrée à ces activités de nutrition et hygiène dans ces zones d'intervention. Un mécanisme salué par le directeur régional, assainissement. Le bilan est positif en termes de réalisation. Le projet intervient dans 170 villages en matière d'assainissement total piloté par la communauté. Nous saluons les efforts du projet USAID Nutrition dans la région de Mopti, des efforts d'ailleurs qui ont permis de relever de nombreux défis en matière d'assainissement. Pour la bonne marche de cette phase du projet, des maçons ont été notamment formés sur la construction de latrines traditionnelles. Ce transfert de compétences permet d'améliorer le savoir-faire des maçons de la commune bénéficiaire du projet pour mieux assurer la relève. L'objectif de notre formation sur, au niveau de la commune de Ségué est basé sur la construction des latrines traditionnelles au niveau de nos villages à TPC. Comment, à leur niveau, ils peuvent construire leurs propres latrines sans d'autres dépenses, par leurs moyens propres. Les femmes leaders du village ont aussi eu l'occasion de renforcer leurs connaissances. Pour moi, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille. Pour moi, c'est une famille. Nous bolinga tulu ere bolinga tulu in tulu de nyong biji in loy de ere bolinga loy nyong bolinga loy iliko bini yeso
umunuko bin yeso men lo ekeme kun yeso sugoro bangdagi kunoyi eme yo pa me unin ko bare noende sin won na pesa sin gitre kan beyi. Le troisième adjoint au maire de Koprorona se réjouit de l'état fin de défécation à l'air libre qui permettra un assainissement effectif du village. Moi, je demande toutes les populations de faire comme en Ankaroa. Parce qu'ils ont très bien travaillé et je suis content de leur travail. Des maçons ont également été formés sur la confection des dalles sans plat, une formation qui s'inscrit dans le cadre de l'objectif général du projet qui est de lutter contre la malnutrition. Les maçons semblent satisfaits de la formation. La formation n'a pas été formée sur le Kosovo parce qu'il y a des dalles sans plat de là. Pour booster la mise en œuvre de la stratégie nationale post-FEDAL, le projet a apporté un appui technique et financier à la DNACPN dans la mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre du concours village propre du post-FEDAL. Le projet en partenariat avec l'UNICEF a accompagné la DNACPN dans la mise en place et le fonctionnement de la base de données Malisania. Donc, je pense que l'un des axes majeurs de notre partenariat, surtout, ça a été l'appui à l'élaboration d'une base de données Malisania. Et avec également le guide méthodologique du concours village propre. Ce concours village propre, c'est ce qui permettra surtout de pérenniser les acquis après les villages certifiés pour que vraiment la dynamique soit maintenue. À entendre les représentants du consortium partenaire de CARE International Mali, les différentes activités menées ont en effet permis d'atteindre les objectifs fixés en amont du projet. Le partenaire Family ILF International 360, à travers sa représentante, nous explique leur expertise apportée au projet. Le rôle de FHI 360 en tant que partenaire de CARE au Mali a contribué aux résultats du projet, spécifiquement en travaillant sur deux aspects. L'un a été l'assistance technique apportée aux interventions visant un changement social et de comportement. Il s'est traduit par une cascade de formations, de développement d'outils et d'approches stratégiques en changement social et de comportement. L'autre aspect a été sa contribution quant à l'élaboration et la mise en œuvre des systèmes de suivi d'évaluation du projet. En conclusion, CARE, FHI et les partenaires du projet ont non seulement réalisé des interventions en agriculture, nutrition et hygiène, mais s'est assuré que celles-ci soient initiées, planifiées et initiées par les communautés elles-mêmes. Éléments essentiels qui peuvent assurer une longévité de ces interventions au-delà du projet. Le directeur de l'IRC nous livre les résultats de leur implication dans le projet. Donc, par rapport au consortium, quels sont nos principaux résultats atteints ? Ils sont de l'ordre de 3. Il y a un premier résultat d'abord par rapport à l'augmentation de l'accès et de la diversité alimentaire. D'abord un soutien à la production agricole, et plus particulièrement donc aux espaces maraîchers. L'autre point très important pour nous, ça a été de travailler sur l'aspect économique et renforcer, appuyer, soutenir les associations villageoises d'épargne communautaire ou les activités génératrices de revenus qu'on a pu mettre en œuvre dans le cadre de ce consortium. L'autre résultat, il concerne la partie nutritionnelle et promotion à l'hygiène. En fait, le dernier résultat gravite plutôt autour de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, avec une forte composante hygiène, où il y a eu tout un travail de réaliser au niveau de la TPC. Pour la directrice de Yactu, le projet a contribué significativement à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Dans l'ensemble, le projet a permis d'exécuter quelques activités. Il y a la certification de 135 villages, tous équipés en matériel d'assainissement pour le post-FEDAL. La réhabilitation de plus de 100 points d'eau dans les villages certifiés. Il y a l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre de 220 plans d'action post-FEDAL. C'est des plans d'action qui vont permettre aux communautés de faire le suivi de ces acquis, même après le projet. Il y a eu également la réalisation de 52 périmètres maraîchers pour plus de 1500 femmes bénéficiaires. En même temps, il y a eu la mise en place de 91 boutiques d'assainissement dans autant de villages.
Nous avons également mené la réduction, il y a eu la réduction de la malnutrition dans l'ensemble des 602 villages d'intervention. Il y a eu l'appui à la réalisation de plus de 10 000 latrines dans la zone du projet. Nous avons également eu l'accompagnement d'environ 500 groupements MJT pour l'auto-octroi des crédits à plus de 15 000 femmes dans la zone du projet. Au regard des résultats obtenus, le tableau n'est que reluisant. Toutefois, il appartient aux communautés d'entretenir et de perpétuer les acquis du projet USAID Nutrition Hygiène en persévérant dans les actions amorcées.